Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, ça, oui, on peut dire que ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de vidéo de 1. Et alors je tiens à m'excuser car cela fait maintenant 15 jours que j'ai disparu des radars au niveau des canaux Blabla Linux. Mais voilà, j'ai pas mal de trucs à faire, plus guère de temps. Là, j'ai un petit peu de temps, donc je vais me lancer dans une vidéo qui va concerner Proxmox via Corbeil. Voilà. Je ne vais pas pouvoir utiliser le web car j'ai quelques petits soucis pour sortir vers l'extérieur. Donc, j'ai préparé des liens à l'avance, mais je vais pas pouvoir voyager plus sur le web. Donc pourquoi je vous parle de Proxmox? Ben tout simplement parce que c'est un avis personnel. J'ai toujours bien aimé Proxmox, ben, parce que voilà, c'est open source. Mais malgré ça, je continuais à utiliser VMware. Mais je dois dire que la dernière version de Proxmox, c'est mon avis, est arrivée à maturité. Attention, je m'explique. Elle était déjà à maturité grâce aux versions précédentes, mais là, elle est arrivée à maturité au niveau de l'automatisation de certaines tâches via l'interface web. Je m'explique. Il y a pas mal de petites sociétés autour de chez moi, des petites PME, ben oui, qui ont un serveur ou deux. C'est pas parce qu'ils ont un serveur ou deux qu'ils ont nécessairement un informaticien pour gérer tout ça. Et bien malgré cela, c'était des simples, entre guillemets, voilà, c'était des employés non informaticiens qui arrivaient à gérer le serveur de virtualisation. Parce qu'il faut dire qu'un exemple, VMware ou Hyper-V, surtout VMware est sur le marché depuis beaucoup plus longtemps, et on peut, entre guillemets, effectuer toutes les tâches basiques, même au-delà, grâce à l'interface web. Ce n'était pas encore le cas pour Proxmox. Non. Maintenant, avec cette nouvelle version, c'est le cas. Et je vais vous montrer, par exemple, parce que j'ai été amené à le faire, comment créer un cluster sous Proxmox. Auparavant, ça se limitait, il fallait deux nœuds pour créer un cluster. Hein, deux nodes, deux nœuds. Mais on ne sait pas le faire via l'interface web. Bien maintenant, on peut le faire et vous allez voir, c'est d'un simplicisme déconcertant. Deux, trois clics et en plus, ça fonctionne. Et en plus, je vais vous montrer comment enregistrer votre nom de domaine. Attention, nom de domaine, pas un sous-domaine, un nom de domaine. Ok? Donc, pour commencer, juste petit rappel, qu'est-ce que la HA? Puisque je viens de vous parler de créer un cluster. Donc un cluster, c'est un regroupement de plusieurs nœuds, de plusieurs nodes, et qui va nous servir à quoi? Eh bien, à faire de la HA. HA, ça signifie quoi? Ça signifie haute accessibilité, haute disponibilité. J'espère que la définition est bonne, elle vient de moi, avec mes mots. La HA, on peut considérer cela donc comme une sorte de système que l'on va mettre en place. Et ce système mis en place, une fois mis en place, ben, il va permettre d'assurer une continuité d'un ou de plusieurs services. On peut même voir, voilà, qu'est-ce que la virtualisation. C'est toujours bon de définir ce qu'on utilise les termes, mais parfois on oublie réellement ce que ça veut dire, la virtualisation. Ben, c'est un processus qui consiste à créer un environnement, donc une version logicielle, hein, logicielle ou virtuelle, de quelque chose de physique. Voilà. Donc, je vais utiliser VirtualBox avec lequel je vais installer 3 Proxmox. 3 Proxmox bien distincts. Il y a plusieurs façons de faire avec VirtualBox. Soit je crée une installation de Proxmox que je clone deux fois. Mais alors, les trois instances auront la même adresse IP
pour avoir accès au gestionnaire web. Donc il faudra alors que je passe par donc slash etc slash network slash interface pour modifier manuellement IP, ou alors je crée trois installations de Proxmox. Je vais créer trois installations de Proxmox avec vous. Donc ce qu'on va faire déjà, est-ce que j'ai une ISO hyperviseur? Oui, voilà, Proxmox 5.2.1. Propriété, ah, c'était bon, attendez, hop, hop, propriété, là je vais plus trop parler, hop, alors, nouvelle, voilà, ce sera du Linux, on part sur du Debian 64, alors, on va mettre, pour vous mettez ce que vous voulez, le minimum pour que Proxmox puisse fonctionner, c'est 1024. Maintenant, si vous voulez vous amuser un peu avec, il faut au plus. Hein? Alors, on va mettre 4096. Créer un disque dur virtuel maintenant. Oui. Alors, on va mettre... De toute façon, c'est une taille dynamique. Donc, on va mettre 120. VDI. Créer. Alors. Configuration. Alors, ce que je vais faire... Attendez, je vais faire autrement... Grouper, renommer, tuto, Proxmox, voilà, clac, configuration, allez c'est parti parce que j'ai pris du retard, hop, hop, système, voilà, ok c'est bon, processeur 4, voilà, accélération, c'est bon, affichage, s'en fout. Stockage, oui. ISO, choisir un i. ISO, hyperviseur, Proxmox. Clac, clac. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Son, pas besoin. Réseau, important, accès par pont. Ok. Pour série USB, voilà, c'est bon. Première, c'est fait. Alors, nouvelle, même chose, clac, mais là je vais mettre slash 2. Alors, Linux, non, pas Ubuntu, du Debian. 4096. Créer. Alors, même chose, 120, créer. Ah non, je me trompe encore, c'est pas celle-là. Ah ben c'est bon, elle est là, voilà, configuration. Là c'est bon, c'est bon, c'est bon, système, clac, c'est bon, 4. En active, accélération, fichage c'est bon, stockage c'est bon, on va chercher Proxmox, clac, 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 son, on désactive, réseau, accès par pont, voilà, ok, nouvelle, rebelote, on en fait 3. Linux, alors Debian 64, 4096 MO, on crée 120, créer, voilà, configuration, même chose, hein. Clac, 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 système, affichage, stockage, Proxmox, SATA, hop, hop, son, on désactive, réseau, accès par pont, le reste c'est bon. Ce que je me demande c'est ici, son, ouais c'est bon. Allez, on peut y aller. Donc on va faire comme ceci. Voilà,
Je vais démarrer les trois. Voilà. Voilà. Alors on y va. Hop, hop. Ah, zut, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Et il m'en reste une qui se cache ici. Et voilà. On patiente. Ah voilà, ok. Ouais, c'est pas grave. Hop. 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 Alors c'est parti. Voilà. Ici je vais laisser comme ça. Sinon, n'oubliez pas que vous avez les options, hein. X4. Alors, et bien évidemment, si vous voulez faire du raid, voilà, ce sera du ZFS. On est d'accord? Maintenant, si vous voulez pas faire de raid, comment choisir entre X4 et XFS? Beaucoup vont dire ouais, XFS. Pas nécessairement. Vous pouvez utiliser XFS si vous pouvez, mais on peut jamais le garantir. Si vous pouvez quasi garantir qu'il y aura pas de coupure brutale du nœud. Si vous ne pouvez pas garantir qu'il y aura pas trop souvent de coupure brutale, partez sur du X4 qui est beaucoup plus robuste à ce niveau-là. Ok? Donc pour ma part, voilà. Donc next, country Belgium, Europe, Bruxelles. Alors ici, évidemment. Je pense que ça doit être bon. Voilà, Belgium French, je voyais pas tout. Suivant, password. On va définir un password. Donc je vais mettre un blabla Linux. Blabla Linux, mail important. Voilà. Next. Hyper important. On choisit son interface réseau. Ici, PVE.lan, c'est bon. Alors, ici, moi, je vais utiliser donc 192.168.2.40. Là, c'est bon. Gateway, c'est bon. DNS serveur, ouais, je vais laisser ça. Next. Voilà, c'est parti. Maintenant, je passe. C'était le 1. Ouais. 1.2, voilà. Next. Jump, clac. Alors. Voilà. Next. Même chose. Blabla Linux. Blabla Linux. Comme ça, si vous voulez un peu vous amuser avec Proxmox et tester déjà la H1, donc créer un cluster et tester la H1, vous pourrez vous amuser. Alors ici, ce sera PVE2. Alors ici, ce sera 41. Et le reste, c'est bon. Next. Et le 3. Allez, on y est presque. Voilà. Next. Ah, il n'a pas détecté ici. Alors. Ah ouais, c'était Belgium, Europe, Bruxelles. Voilà. Next. Next. Hello, ce sera PVE3.lan.
J'ai quand même bien mis. Bah oui, tiens. J'ai quand même machine, configuration, réseau, accès par pont. Oui. Ok. Bon, on va remplir ça nous-mêmes. 42. Netmask. Voilà. Voilà. Ok, c'est bon. Next. Et on patiente, on patiente. Alors, là. Celle-là, c'est fini. Reboot. Évidemment, il va falloir que je fasse ça, ça, ça. Machine redémarrage. Voilà, on va le laisser démarrer. Ici, c'est fini. Ouais, on va faire un reboot. Même chose. Merci. Clac, clac, machine, redémarrage, même chose. Ah non, pas ici, pas fini. J'ai juste contrôlé mes adresses IP. 40, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, extinction par ACPI. Quarante et un, c'est bon. Machine, extinction par ACPI. Et la dernière. Et allez, coco. On va déjà faire donc celle-là. Petit vide, c'est bon, c'est bon. Donc snapshot, clac. On va faire une fois install. Voilà, même chose ici. Fresh install, ok. Alors, détail, description. Pas que j'oublie mon pass, ce sera root 2. Blabla Linux. Voilà, ok. Description. Ok. Alors, la 3, elle en est où? Elle a fini. On reboot. Ça avance, ça avance. Ok, CD. Oh merde, annulé. CD, on éjecte. Éjection forcée. Machine. Redémarrage. On va voir si on a bien obtenu l'IP 192.168.2.42.2. Oui, c'est bon. Donc à partir de la machine, extinction par ACPI. Description. Je colle, ok. Snapshot, on crée. On va faire fresh install. Voilà. Alors, nous avons nos trois machines que je vais démarrer. Démarrage détachable. Voilà. Clac. Génial, hein. Qu'est-ce que c'est gay? On patiente, on patiente. On le CPU qui. Oui, ça y va. Voilà. Donc, nous avons bien la 40. Nous avons bien la 41. Et nous avons bien la
42. Machine détachée. Machine détachée. Machine détachée. Cool. Alors, ce qu'on va faire. Clac. Alors, Proxmox. Voilà, ça c'est le site officiel. Proxmox propose Proxmox Mail Gateway en version 5.0. Ou alors, nous avons Proxmox VE. Donc en version 5.2. Ça, je vous montrerai après pourquoi. Donc, ce que je vais faire. 192.100. Ah, non. On est en HTTPS. HTTPS. 192.168.2.42.8006. Attention. Ouais, ça a l'air d'être bon. Continuez. Root. Ouais, est-ce que j'avais déjà fait des tests? En théorie, c'est bon. Français, login. Ah non, bah alors, c'était pas moi ici. C'est... Voilà, hop. Ouais, c'est bon. Ok. Maintenant, on va faire la même chose avec le 192. Non, je me trompe. HTTPS. Voilà. Deuxième nœud. Voilà. Hop, on se connecte. Ok, c'est rien là le message. C'est juste, voilà. C'est gratuit Proxmox. Si vous payez, c'est pour avoir une assistance. Mais sinon, c'est gratuit. Une assistance et alors avoir accès aux mises à jour entreprise. Et alors, on va se faciliter la vie. Je colle et alors ici ce sera le 42. Ah, ça peut-être pas aller. Ah mais si, c'est bon. Clac. Clac. Ah, évidemment. Route. Ah, ben, d'abord on va choisir le français. Merci. Route. Même Linux, French. Ok, c'est bon. Voilà, on a nos. Trois nœuds, PVE, PVE2, PVE3. Ok, donc on a nos trois serveurs Proxmox. Ah, c'est bien d'en avoir trois, mais le problème, ce serait mieux déjà de créer un cluster pour pouvoir gérer tout de la même interface. Parce que bon, créer une VM là, puis créer une VM là, créer une VM là, bon, c'est un peu chiant. Donc ce qu'on va faire, regardez, on va choisir le serveur donc on va se rendre sur cluster, on va choisir le serveur par lequel on va créer le cluster. Moi je vais prendre le PVE, le 1. Ok, je vais faire create cluster. Ok, je vais donner un nom à mon cluster. Et je vais l'appeler PVE 1, 2, 3. Tout simplement. Je crée. Ok. Ok, c'est bon. Mon cluster est créé. Maintenant, c'est bien, il est créé, mais il n'y a toujours qu'un seul nœud pour pouvoir faire en sorte que le nœud ici PVE2 et PVE3 rejoignent le cluster. Je veux voir les informations. Je copie les informations. Dites-vous que tout cela auparavant, c'était pas possible de le faire comme je le fais là. Il fallait passer par la ligne de commande et c'était un peu fastidieux. OK, il fallait se rendre sur les en fait voilà, il fallait se rendre même chose, se rendre sur le PVE, donc le principal, créer le cluster en ligne de commande, prendre les informations, se rendre sur le PVE, les autres PVE, éditer en ligne de commande un certain fichier de conf, coller les informations, voilà.
Et en plus, parfois, c'est un peu la croix et la bannière que ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionnait pas. Donc, je copie. À partir de là, PVO2. Cluster, mais je vais pas en créer un, je vais en joindre. En fait, ça me fait un peu penser au groupe résidentiel sous Windows 7. C'est exactement le même. Joins, je colle. Ah, important, ne pas oublier le mot de passe. Important. Joindre. On attend. Finish. Regardez. PVE. Donc c'est normal, il faut que je me reconnecte. Donc. Ah oui, non, je dois refaire d'abord. Clac. Voilà. Une mise à jour. Continuer. Là. Ah zut. Si on veut aller trop vite. Voilà. PVE, PVE2, et sur l'autre, PVE, PVE2. C'est génial! Et bien là, on fait la même chose. Donc on va faire cluster, joindre, je copie, le mot de passe route, oh, ici c'était blabla Linux, joindre, ça va tout seul. C'est bon. On va faire une mise à jour. Alors, ce sera route. Et c'est magique. Alors, ah ben voilà, c'est magique sur les trois. C'est génial, hein. C'est cool. D'ailleurs, regardez, on peut voir les nœuds du cluster. Ok. Bon, ensuite. Ensuite. Regardez bien ce qu'on va faire. J'ai plus besoin, en fait. Je choisis une interface, voilà, et je vais tout gérer. Avec une interface. Si je vais sur le data center, résumé, on peut voir que je suis en cluster. Cluster, le nom de mon cluster, PVE123. On peut voir le nombre de nœuds qui sont en ligne actuellement, 3. Donc ben, automatiquement, vu qu'il y en a que 3, ben, il y en a 0 hors ligne. Les machines virtuelles démarrées, arrêtées. Les conteneurs démarrés, arrêtés. Les ressources CPU. Donc, attention! Du cluster, 4 CPU par nœud, c'est 12 CPU en totalité pour le cluster. 4 Go de RAM par nœud, ou si vous voulez par nœud ou par serveur Proxmox. Donc vu qu'on est en cluster, 4 x 3, 12 Go de RAM. Ok. Voilà. Voilà. PVE, PVE2, PVE3. On peut voir les adresses IP, l'utilisation CPU. Utilisation mémoire. Ok, et on peut se rendre sur chaque. Résumé. Voilà. Voyez. Et ainsi. Donc, pour chaque adresse de PVE. Maintenant, un petit truc. Si, admettons, ne vous faites pas avoir. Vous vous dites, oula, j'ai un petit souci, il faudrait que je redémarre tous mes nœuds. Ne commencez pas par le PVE. Ne faites pas arrêter. Parce qu'après, c'est fini. Puisque vous gérez votre cluster via l'interface du PVE. 192.68.2. 40. Si vous l'arrêtez en premier, vous êtes caisse pour arrêter les autres. Vous devrez alors ouvrir un autre onglet ou deux autres onglets
pour aller sur le 192.168.2.41 et puis 192.168.2.42 pour arrêter les deux autres. Donc arrêter d'abord celui-là, celui-là, et puis terminer par celui-ci. Voilà, petite info parce que je me suis déjà fait avoir. Et plus d'une fois. Ok, donc regardez ce qu'on va juste faire. On va faire create VM. Le nœud. Il me demande le nœud. Ah ben c'est génial, on est en cluster. Le nœud sur lequel je veux que la VM se crée. On va laisser paver. On va lui donner un nom. On va juste mettre Ubuntu. Pool de ressources, il n'y en a pas. Je vais décocher, ça sera plus facile. Suivant. Utiliser une image ISO, ben j'en ai pas encore, donc c'est rien. Je vais faire OK Media. Linux, ouais, c'est bon. Suivant. Disque dur, c'est bon, je vais laisser comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Suivant. Là, bah, de toute façon, c'est juste pour le fun. Ainsi, on va mettre 2. Suivant. 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 Terminé. On patiente. Voilà, VM créée. Elle est là. Cool. C'est génial. Elle est ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, regardez bien. Je vais sur PVE. Data Center, pardon. HA, haute accessibilité, haute disponibilité. Ajouter. Je vais ajouter Ubuntu. Important. Non, évidemment, j'ai fait le con. Groupe. Créer. Je vais créer un groupe. Bah, même chose. Mon groupe, ça va être PVE 1, 2, 3. Tout simplement. Je peux donner, important, un ordre de priorité à chaque nœud. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé, hein. Ok. Ça veut dire qu'en gros, on va être sur le PVE, donc le nœud numéro 1. S'il y a un souci, voilà, ça se fera automatiquement. Il choisira le 2 ou le 3, selon quel critère, j'en sais rien. Ou alors, vous donnez un ordre de priorité. Le chiffre le plus élevé sera prioritaire. Donc, je vais mettre 1, 2, 3. C'est fait exprès, en fait. C'est fait exprès, cet ordre-là. Je pense que c'est bon. Hein. Ah, pardon, je dois choisir tous les nœuds. Voilà, important. Ben oui, parce que je crée un groupe, mais quel nœud je veux mettre dans ce groupe-là? Je pourrais mettre que ça. Hein. Donc, j'ai un cluster de 3 nœuds, PVE, PVE2, PVE3, mais je crée un groupe de haute accessibilité, haute disponibilité, seulement avec 2 nœuds. C'est pas parce que j'ai créé un cluster avec 3 que je dois créer un groupe H1 avec les 3. Ok, mais ici je vais le faire. Voilà. Je crée. Cool. Maintenant H1. Ajouter. Je vais ajouter notre cher Ubuntu. Important, ne pas oublier de sélectionner le groupe. On va voir ce qui va se passer. Pourquoi? J'ai donné un ordre de priorité. 1, 2, 3. Ça veut dire que la VM est ici. Mais lui, vu que j'ai donné comme ordre de priorité 3 à PVE3, il va dire, oh là, il préfère que la VM se trouve ici, même s'il n'y a rien, donc je vais la migrer. Mais le souci, voilà, c'est que moi, la vidéo, elle va s'arrêter là. Je vais pas pouvoir aller plus loin. Ça fonctionne, hein. Mais dites-vous que... Mais voilà, je travaille grâce à VirtualBox. Toutes les entrées et sorties réseau au niveau des 3 VirtualBox se font par la même interface réseau. Donc la migration va foirer. Voilà, je l'ai testé en vrai sur des machines en dur. Ça fonctionne. Et d'ailleurs ici, il aurait déjà dû la migrer en fait. Ouais, il aurait déjà dû la migrer. Maintenant, je vais essayer peut-être quelque chose si je fais démarrer. Ah ben oui. Ben oui, je vais avoir du mal. Option.
démarrer. Voilà. Elle est démarrée. Maintenant, on va attendre. On peut demander la console. Voilà. Mais j'ai pas mis d'image ISO, rien. Alors, je voudrais bien qu'il tente quand même la migration. Admettons, qu'est-ce que je ferais bien? Le nœud 1. Afficher. Si je fais ça. Et puis que je fais ça. On patiente. Ah voilà. Ah, il est. Regardez. Erreur, migration abordée. Erreur, migration abordée. Erreur, migration abordée. Voilà. Et c'est juste, voilà, donc ça fonctionne. Donc, je récapitule. Hein? Parce que bon, vous pourriez vous dire, bah ouais, c'est bien, il nous a montré, mais ça n'a pas l'air. Si, ça fonctionne. Testez-le sur des serveurs physiques. Hein? Bien séparés à l'intérieur de votre réseau local. Ça fonctionne. Ici, dites-vous que c'est trois serveurs virtualisés grâce à VirtualBox sur la même machine physique. Donc, c'est-à-dire que toutes les entrées et sorties réseau pour chaque serveur se font par la même interface réseau. Donc, voilà, c'est pour ça. OK ? Sinon, ça fonctionne. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il essaye de faire en gros? Donc, j'ai créé un cluster avec trois nœuds. Pour la haute accessibilité, la haute disponibilité, j'ai créé un groupe avec ces trois clusters. Dans ce groupe, j'y ai intégré cette VM-là. Et j'ai donné un ordre de priorité au groupe de HA. J'ai dit priorité 1, priorité 2, priorité 3. Vu qu'elle se trouve sur le PVE qui est priorité 1, mais que j'ai dit que le PVE 3 c'était la plus haute priorité, ben il essaye de la bouger. Ok, voilà, il essaye de la bouger. Donc si autrement, ben, s'il y arrivait, hop, elle serait déjà là. Si je coupe l'interface réseau là, ou là, souci avec l'hyperviseur PVE 3, ça va pas, hop, et ben il bascule vers le PVE 2, ordre de priorité 2. Et si là il y a un souci, hop, ici. Voilà, ok. D'ailleurs, si je vais data center, clac, éditer. Si je fais par exemple, non, évidemment, je me trompe chaque fois, c'est groupe, ça, éditer. Ah, et que je fais par exemple, si je fais ça, bah, il essaie à plus d'effectuer une migration. Tout simplement. Si je fais ça, bah là, je sais pas moi. Trois, un, deux. Bah, il va essayer de migrer sur le PVE 2. Ah, tout simplement. Ok, vous avez compris le principe. Maintenant, vous voudriez avoir accès à de l'extérieur, à Proxmox. Rien de plus facile. Vous vous rendez chez NoIP, vous enregistrez un sous-domaine. Ok, moi j'ai choisi ddns.net, donc un e-service. J'ai choisi un e-service sur ddns.net, ici un e-service home sur ddns.net. Ok, il n'y a rien de plus facile. Hein. Create hostname, vous choisissez ici le premier, c'est bon. Je sais pas, moi vous mettez. Allez, on va essayer, regardez. Test. Tuto Proxmox. Voilà, c'est bon. Create. Voilà. Alors ici, pourquoi c'est orange? Ben parce qu'il dit, c'est génial, vous avez créé test tuto Proxmox, mais on ne reçoit pas d'infos de la part du client dynamique. Le client dynamique, c'est un petit software
que vous installez soit sous Windows ou sous Linux, qui va permettre toutes les 5 minutes d'envoyer votre adresse IP. Voilà. Ici, c'est rien. Je vais faire ça. Ne plus montrer. Voilà. Alors, celle-là, elle ne reçoit pas donc, de mise à jour dynamique. Celle-là non plus. Celle-là, oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Et regardez. Test tuto proxmox.ddns.com net. Maintenant, il faut vous rendre dans votre box. Oh, voilà ma box. Yeah, attendez, je vais refaire une mise à jour, voir si c'est bon. Alors, on descend, je vais repérer le 40. Je veux que ça arrive ici. Clac. Ma page de port. Maintenant, vous devrez chercher dans votre box. Hein. Ok. Ouais, j'ai plus accès à mon... C'est de nouveau ma vieille Bbox 3 qui fait office de routeur parce que mon petit D-Link, il souffre. Il souffre. Nouveau ma page de port. Personnalisé. TCP. Port 8006. Port 8006. LAN 8006. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, Proxmox. On est d'accord. Ok. C'est fait. Maintenant, si j'introduis test tuto proxmox.ddns.net 2.8006, NoIP va dire ah ouais, je dois renvoyer à cette adresse IP là. Donc on va arriver sur ma box et ma box va voir 8006, va dire ah 8006. Donc je dois renvoyer cette requête vers l'ordinateur qui porte l'adresse IP 192.168.2.40. On va tester ça de suite. Donc je vais faire https test tuto proxmox 2.8006. Test tuto proxmox. Peut-être fait le fou. Là, c'est bon. Ouais. Alors, je suis où, moi? Attendez. Modem. 40. Ma page. Posé. TCP. 8006. 8006. 8006. Proxmox. Ok, c'est bon. Évidemment. Va me faire un peu. Ah, pourquoi est-ce qu'il ne veut plus, tiens? C'est bien, attendez. Test tuto. Ah, mais c'est pas la bonne adresse. Hein. Test tuto proxmox.ddns.net. Voilà, et c'est magique. Clac, voilà, et vous y avez accès de l'extérieur. C'est génial, hein. Alors, et ça marche. Hop. French. Voilà, j'avais enregistré une petite vidéo sur Proxmox, je suis parti un peu à l'aveugle. Bon, tant pis, hein. C'est gay. La blague Linux. On se log. Voilà, c'est bon. Et j'ai accès à tout. C'est génial. Hein? C'est cool. Hein? Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Oui, important. Je peux avoir accès. SSH. 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 Route. 192.168.2.40. Yes. Mot de passe. Yeah, c'est cool. Là, je suis sur le PVE. Donc, si je fais clac
Donc je vais faire SSH route. Yes. Blabla Linux. Voilà, donc le SSH fonctionne très bien. SSH route. OK. Yeah. La preuve. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer autre chose. Où se trouvent vos images? Quand même. J'ai carrément oublié. Ça, c'est con. PVE, data center, stockage, voilà, var libvz, pardon, var libvz, donc cd slash var slash lib slash vz ls. Alors on peut voir template, donc on va faire cd template ls, je sais plus, j'oublie, ah voilà, cd iso. Voilà. Et vous avez un ISO, elles seront là. Ok. Vous voulez uploader une image ISO? Bah rien de plus facile. Ouais, rien de plus facile. PVE. Ouais, local. Contenu. Upload. Choisir un fichier. Voilà, vous uploadez. Maintenant. Donc il suffit que je clique et ça part. Faire ça, ouvrir, upload, voilà, c'est parti. On est d'accord? Clac. Maintenant, vous pourriez très bien uploader autrement. Clac. Mon FTP, Linux, allez, je sais pas moi, ISO. Ah, n'importe quoi, hein, je sais pas moi, là. Ubuntu, clac, voilà, clic droit, je copie l'adresse du lien, d'accord, maintenant je vais faire un wget, je colle, et voilà, c'est parti, ok, d'accord, voilà, ah oui, vous voudriez avoir accès, attention, là je reste sur le port 22, il faut pas, hein. Faut modifier le port. Bon, ici je pars un peu dans tous les sens, mais c'est un peu pour donner une idée de comment ça fonctionne. Ne restez pas sur le port 22. Maintenant, moi ici je vais rester. Vous voudriez avoir accès à SSH depuis l'extérieur, mais c'est le même principe. Retour box, retour box. Je vais choisir le 40, admettons, ma page de port. Nouveau ma page de port. Et là, je vais directement prendre. Regardez. Voilà. SSH. C'est tout bon. Alors ici. Clac, clac, clac. Oh, ma terminale. Et là, je vais faire quoi? Ah, je vais faire juste. On va remettre un peu de l'ordre. Voilà, on va faire SSH route arrobase. Alors, ce sera, attention, tuto, non, test, tuto, proxmox.ddns.net. Attention, yeah, yes, password. Et vous gérez en SSH votre PVE1. C'est génial. Comme ça, ben, vous avez vu un peu en gros. En gros, donc comment installer Proxmox, comment créer un cluster, comment créer un groupe HA, hein, avec le nombre
de nœuds voulus dans, donc disponibles dans le cluster. On a créé vite une petite VM et on a donné un ordre de priorité donc au nœud pour la HA. On a vu comment avoir accès à Proxmox depuis l'extérieur, comment également avoir accès en SSH. Donc voilà, je pense que c'est une chouette petite vidéo. Maintenant, je suis un peu parti dans tous les sens, j'ai rien préparé. Voilà. Je ferai d'autres vidéos comme ça, mais sur du serveur physique comme ça, vous pourrez voir que tout fonctionne, la migration, etc., etc. Donc je pense que j'ai tout vu, je réfléchis. Oui, je pense. Ouais, je pense. Bientôt, je ferai une vidéo et je vous montrerai tout ce qui est auto-hébergé chez moi, parce qu'il y en a des choses. Voilà, vous ne le savez pas, mais il y a pas mal de choses. FTP, site web, cloud, Proxmox, tout ça avec une seule et même adresse. Faut juste jouer avec les ports. Voilà. Et ne croyez pas que si vous avez plusieurs serveurs web, il y a ceux qui disent, bah ouais, mais plusieurs serveurs web, donc plusieurs ports 80, bah ouais, mais je peux faire qu'une redirection 80 dans ma box. Ne tracassez pas, je vous montrerai comment on fait. Voilà, sur ce, je vous dis bye bye, une prochaine, c'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao.